Vous savez quoi? Comme j'ai l'habitude de faire des vlogs beaucoup trop longs et que je vois que celui-là fait déjà 40 minutes plus les petits bribes de vidéos que je vous ai filmées tout avant quand je n'étais pas maquillée, eh ben, clap de fin pour cette première partie de vlog, vlog numéro 6, partie 1, et sortira en même temps, vous l'avez tout de suite, si vous avez fini cette vidéo et que vous voulez la suite avec ce colis et le gros, c'est pas beau de traiter les gens de gros, même quand il s'agit de colis. Je rigole, le gros colis. Eh bien, rendez-vous dans le vlog numéro 6, partie 2, qui est déjà en ligne au moment où vous voyez cette vidéo. Voilà, bye. Et rebonjour, nous sommes dans la partie 2 de ce vlog numéro 6. Je m'étais arrêtée dans la partie 1 avec ceci sur les genoux parce que j'allais l'ouvrir pour découvrir ce que c'était parce que je ne sais pas ce que c'est. C'est les éditions Le Duc. Et là, ok, vous n'êtes pas prête. Alors, là j'ai 3 livres devant moi. Et je crois que c'est tout. Bah c'est tout, c'est déjà bien. Est-ce qu'il y a un papier là? Non, c'est un carton. Le Duc, on avait... Bah, du coup, je suppose 2 livres de concours. Je ne sais plus. Attendez. Attendez, attendez. J'arrive à ce. Alors, parce que là, j'ai les détails de tous les concours. Non. Toujours pas. Le Duc. 3 BD féministes, plus le t-shirt lectrice et féministe. Ce t-shirt, vous ne l'avez jamais gagné. Encore. Alors, 3 BD féministes. Ah oui, oui, ça y est, ça me revient, ça y est. Ça c'est trop cool. C'est le genre de BD que je vais encore avoir trop envie de lire tout de suite. Alors, donc vous savez, mon nouvel amour pour les BD romans graphiques, vous savez quoi. Et donc, les éditions Le Duc m'avaient dit, vous voulez qu'on fasse un concours pour... Alors, je ne sais plus qu'est-ce qu'ils m'avaient proposé. Roman ou essai... Non. Bref, il m'avait proposé une catégorie, je ne sais plus laquelle. Il m'avait dit, ou alors on met en avant nos bandes dessinées, quoi. Alors, qu'est-ce que vous croyez que j'ai dit? Bandes dessinées! Oh, j'ai trop hâte de les lire. Alors, la première, c'est de Gomargu. Préface d'Emanuela Todorova et postface de Louise Giovannangeli. Giovannangeli. Je ne savais pas qu'il y avait des postfaces. Les préfaces, je connaissais, mais les postfaces, non. Donc, c'est « On en a gros, chronique d'un sexisme ordinaire ». Voilà, avec donc les dessins de l'illustratrice Gomargu, que vous pouvez retrouver sur Instagram, n'est-ce pas? Rendre visible le sexisme afin de le faire disparaître, c'est l'ambition que porte Gomargu à travers ses illustrations, formant ensemble un tour d'horizon des situations misogynes du quotidien. On en a gros vous parlera et vous donnera de l'espoir, soyez-en sûr. C'est Mécréante qui dit ça. Voilà, voilà. Alors, on va découvrir ça. Donc, Gomargu, jeune illustratrice et philosophe du quotidien. Je la connais parce que j'avais parlé avec elle, j'avais fait un visio avec elle. Et pour potentiellement un projet pour Muse et puis de fil en aiguille, je pense qu'on a toutes les deux été occupées. De notre côté par nos activités. Et puis, on n'en a pas reparlé. Et voilà. Mais du coup, c'est comme ça que je la connais. Ok. Donc, son Instagram, vous l'avez ici. Là. Bon, en gros, c'est Gomargu. Comme ça se prononce. Comme ça. Parce qu'elle s'appelle Margot, je crois. Ok. Alors. Ouh, il y a des grands dessins. Je vais mettre comme ça. J'ai vu un vagin passer. Donc, je ne vais pas du coup regarder plus que ça parce que sinon on va tout se spoiler. Mais on a compris, du coup, chronique d'un sexisme ordinaire. Et là, on voit un personnage qui monte sur des bulles comme un escalier.
besoin, justice, racisme, salaire, drogue, consentir, charge mentale, jugement, besoin, handicap, devoir, liberté, sexualité, obligation, désir, féminité, violence. Voilà le topo. Donc, premier livre que vous allez pouvoir gagner et que je vais lire très 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 vite. Ensuite, on a de Léa Castor, Cher Blop Blop, Lettre à mon embryon. Une BD qui brise le tabou de l'IVG. Alors, est-ce qu'on peut être plus d'actualité, s'il vous plaît, que cette BD? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Donc, c'est sur l'avortement. Les dessins ont l'air canon. Oh oui. Les dessins sont beaux. J'adore ces couleurs bleu, rose, violet. Et donc, à une période où, aux États-Unis, c'est la mouise, comme c'est pas permis d'être la mouise, ou comme c'est pas permis tout court, en fait, comme ça ne devrait pas exister. Ce matin, j'ai lu... Oh, est-ce que je vous en parle? Parce que j'ai pas envie de déprimer, mais... Ce matin, j'ai lu... qui c'est qui a pu question? Bref, j'ai lu qu'il avait été refusé aux États-Unis, dans je sais pas quel état, au Texas, à une enfant de 10 ans d'avorter alors qu'elle avait été violée. Et on lui a répondu de prendre ça comme une opportunité d'être mère à 10 ans, là où en plus c'est dangereux pour votre santé de mener une grossesse et un accouchement parce que vous êtes encore un enfant qui n'est pas formé comme une femme. Mais en plus c'est une opportunité d'avoir un enfant issu d'un viol à 10 ans. Est-ce qu'on peut vomir tout ensemble en silence, s'il vous plaît? Ou pas en silence, justement. Bref, catastrophique. Alors, est-ce qu'on peut être plus d'actualité? Non, je ne pense pas. Donc, recommandation absolue, absolue, absolue. Parce que c'est pas possible. Et si ça arrive là-bas, ça peut arriver partout. Et on pense très fort à toutes ces femmes, malheureusement, qui sont gouvernées par des états de fous furieux. Voilà. Et ensuite on a Mon vagin, mon gynéco et moi. En finir avec les violences gynécologiques et obstétricales de Rachel Lève. Et là ça me fait penser, je vous le montre, ça me fait évidemment penser au livre que j'ai lu et que je vous ai parlé dans mon tout dernier vlog numéro 5, partie 3. Alors je peux pas le sortir, il est derrière moi. C'est Le cœur des femmes, qui est aussi une BD roman graphique dont je vous ai donné mon avis précédemment, qui parle aussi de ça. Et ça me fait penser, parce que du coup, je vais vous parler de cette position qui est pratiquée en France pour le confort des médecins, d'après ce que je comprends, et qui n'est pas pratiquée en Angleterre, où vous êtes en chienne-fusil. Position moins confortable pour les médecins, mais mieux pour les patientes qui se sentent moins exposées, parce qu'on comprend qu'on déteste être dans cette position-là. Voilà, donc on va regarder rapidement l'intérieur en couleur. Je vais me les enchaîner ces trois BD parce que en ce moment, je sais pas, je trouve ça génial en fait, comme BD pour ouvrir les consciences. Rien que avoir une couverture dans une librairie qui est comme ça, avec une femme toute nue, les deux seins en l'air qui pointent sur les côtés, la foufounette à l'air. Eh ben, c'est déjà une belle liberté, je trouve, qu'on a notamment dans notre pays d'avoir ce genre de couverture sur un livre, parce que ce n'est clairement pas le cas dans tous les pays du monde. On a vu dernièrement, il y a un pays qui a, je crois que c'est un pays des Émirats Arabes Unis, je crois, qui a boycotté un film. Un nouveau film de Pixar, Disney Pixar, Disney Pixar, je crois que c'était ça, parce qu'il y avait une scène dedans qu'il n'approuvait pas, je crois que c'était une scène homosexuelle, et de mémoire, vraiment des bribes que j'en ai entendues, d'abord Disney Pixar a gommé cette scène-là pour ce pays-là, puis je crois que c'est les employés de Disney Pixar qui ont gueulé, en disant que non, en fait, on ne faisait pas ça. Du coup, Disney Pixar l'a remis, et je crois que le pays en question, qui, je crois, est un pays des Émirats Arabes Unis, mais je ne suis pas sûre, mais je crois, et si oui, je ne sais pas exactement lequel, a du coup décidé de boycotter le truc.
voilà, le film. Et donc voilà, qu'on se rende compte que quand même dans nos pays, avoir des couvertures comme ça, qui ne soient pas boycottées par un État, eh bien c'est déjà une grande chose. Ça peut paraître con, et on s'en rend pas compte parce qu'on a la merveilleuse chance de ne pas avoir à penser à ces débilités. Et pourtant, c'est une chance. Chose qui nous paraît normale est une chance. Voilà. Donc, vous pourrez gagner ces trois romans chez Le Duc. Avec, du coup, j'ai dit le t-shirt féministe. Non, lectrice et féministe n'en déplaise. C'est écrit, pareil, allez sur musumus.love pour le voir. Il est disponible à la vente, évidemment. C'est écrit en écriture calligraphique imparfaite. Vous savez. Alors ça, je sais pas ce que c'est. C'est quand même lourd. C'est quand même lourd. Et je sais pas du coup, je ne vois pas le destinataire. Le destinataire, si c'est moi. Je ne vois pas l'expéditeur. Alors, on y va. C'est celui qui a été passé au rayon X, je vous le disais du coup dans la première partie du vlog. Là, il y a marqué X-Ray. Et là, il y a marqué Cleared. Et je pense que c'est la douane du coup qui a mis ça. Ou alors, c'est FedEx. Qui passe ses colliers au rayon X. C'est peut-être FedEx? Je sais pas. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, pour l'instant, je ne vois rien. Suspense. Mais c'est quoi? Et là, il y a un gros bloc. Là. Ouvrir ici. Attendez. J'ai d'abord... Et qu'est-ce que c'est? J'ai une boîte comme ça avec marqué ouvrir ici et il y a des petites languettes. Mais c'est des livres au moins. Je suis en train de vous montrer un truc qui ne sont pas des livres. Et ça, ça ressemble à des livres. Et après, il y a un autre paquet comme ça. C'est une enveloppe en fait. Bon, vous découvrirez avec moi parce que je ne sais pas ce que c'est, mais c'est très 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 bien emballé. Ma caisse sert. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que pour moi c'est Noël? Mais qu'est-ce que c'est? Je vois déjà à travers qu'il y a des petites choses là qui glissent, vous voyez? Ok, je me fais le kiff. Parce que ça, c'est mon kiff. Je déchire, comme les enfants. Bonne lecture à bientôt, Emma. C'est les éditions Solar, merci Emma. Alors Emma qui est aussi une perle, voilà, je le dis. Dans les... Franchement, les maisons d'édition ont généralement des gens adorables qui travaillent chez eux. Alors, oui, ça c'est pour moi personnellement, c'est des services presse. Et le reste du coup, ça doit être les livres de concours. Alors, j'ai une petite surprise. Oh, non. C'est une petite tablette de chocolat illustrée par Matou. Joyeuse tablette, Matou. Mais regardez comme c'est mignon. C'est trop mignon. J'étais en panne de chocolat à la maison. Je reçois plein de livres et le truc qui me fait plaisir, c'est ça. Une joyeuse année commence toujours avec un bon chocolat. Noir et sel de Camargue. Ça doit être des chocolats qu'ils avaient pour le... Et en plus, il est bio. Élaboré par le chocolat des Français. Moi, je connais le chocolat des Français. Trop chouette. Ils ont dû envoyer ça dans des services presse ou autres au début de l'année. Et comme le chocolat, ça ne se périme pas si facilement, eh bien, j'ai eu droit à une petite tablette. Merci Emma, c'est trop bien. Et ensuite, j'ai demandé à Emma, donc elle m'a envoyé les livres de concours qui doivent être là-dedans, dans un super emballage. Et je lui ai demandé si je pouvais recevoir ces deux livres pour les lire et vous en parler. Et au dernier moment, j'ai dit, oh, Emma, je ne sais pas si le collier est parti, mais est-ce que tu penses que je peux avoir celui-là aussi? Et elle m'a dit, oh, il n'est plus disponible dans les magasins ou quoi, mais j'en ai trouvé un qui traînait, tiens, j'ai pu te le mettre in extremis, merci. Et mais par contre, je vais vous le présenter quand même parce qu'il est disponible encore en e-book, notamment. Donc, je crois que la version livre n'est plus dispo, enfin papier, mais e-book, oui. Et c'est le pouvoir magique des rêves. Et moi, ça me...
ça me... Quand je rêve d'un truc, et des fois je me dis, oh, mais pourquoi j'ai rêvé de ça? Mais ça veut dire quoi? Mais parce que des fois on rêve de choses et on se dit, enfin, on le prend un peu au pied de la lettre en se disant, mais c'est pourquoi j'ai rêvé de ça? Et en fait, il y a des significations derrière pourquoi je rêve de tel truc ou tel truc. C'est pas à prendre au premier degré les rêves. Et moi, j'ai jamais, enfin, je sais pas quoi, comment interpréter ça. Et ça, je me suis dit que ça aurait, ça serait parfait parce qu'en fait, il y a vraiment, on nous dit avec cet ouvrage, entrez dans la magie des rêves, instrument de votre bien-être. Et il y a vraiment une sorte de méthode, d'après ce que j'ai compris avec ce livre. Ah ben voilà, la méthode pour prendre votre vie en main. Il y a une méthode point par point qu'on vous apprend pour interpréter vos rêves, etc. Et notamment, c'est petit 1, se préparer aux rêves. Petit 2, raconter et interpréter ses rêves. Petit 3, utiliser les leçons de ses rêves. Et petit 4, transformer sa vie avec ses rêves. J'ai trouvé ça super cool. Voilà, comme approche. Et donc, j'étais très, très, très curieuse de découvrir ça. Et je vais pouvoir le faire grâce à toi, Emma. Merci beaucoup. C'est trop cool. Trop, trop chouette. Merci, merci. Et c'est de Simone Bernot, l'autrice qui est physiothérapeute jungicienne. Je sais pas ce que ça veut dire, jungicienne. Et a consulté pendant plus de 15 ans. Elle a également collaboré au site auféminin.com. Aujourd'hui, elle organise et anime de nombreux stages ainsi que des conférences à côté de son activité d'artiste peintre. Elle est l'auteur de plusieurs ouvrages, dont Les 22 portes du tarot, un parcours pour mieux vivre chez Solar. Et Tarot et psychologie des profondeurs chez Très Daniel. Je connais pas Très Daniel, moi. Vous connaissez? En tout cas, c'est beau, c'est bien, j'ai envie de le lire, tout va bien. Ensuite, je lui ai demandé si je pouvais recevoir Écomarché, le guide pour une consommation responsable, et il est embossé en plus. Embossé, c'est-à-dire que ça, hein, vous savez, c'est, on sent les lettres à travers, quoi. Dites non aux produits industriels, dites oui aux alternatives responsables, sans produits décryptés. J'avais vraiment envie de découvrir ça parce qu'on est tous, je pense, et moi la première, plus ou moins dans cette démarche. D'ailleurs, beau. Et ce que j'ai bien aimé, c'est qu'en plus, il était illustré parce que moi, en fait, un guide sur ce thème-là, complètement écrire noir sur blanc, je pense que ça aurait été un peu indigeste pour moi. Et celui-là, en fait, ce que j'ai aimé, c'est qu'il est illustré et en couleur. Donc, j'ai trouvé ça trop cool. J'ai trop envie de me plonger dedans. Parce que souvent, vous savez, on utilise des produits ménagers. Puis on se dit, ah, mais j'aimerais bien autre chose. Mais est-ce que ça va être aussi efficace? Est-ce que, comment je fais? Bon, moi, je trouve que c'est une thématique dans laquelle, si on s'y penche pas à fond, genre si on n'est pas à fond, à fond, à fond là-dedans, on est vite paumé. Et donc, je trouve que ce genre de livre, c'est parfait pour se mettre les pieds dedans. Enfin, un premier pied dedans, en tout cas. Jusqu'à y mettre le deuxième et à être un peu plus calé sur le sujet parce que quand on démarre, on ne sait pas par où commencer quoi. Donc, j'ai demandé à recevoir ça et mon vœu a été exaucé. Donc, c'est trop cool, merci et je vous en reparlerai du coup sûrement dès que j'aurai commencé à mettre quelque chose en place, quelques bonnes pratiques en place ou quand je ferai des découvertes au fur et à mesure de la lecture, je vous partagerai ces découvertes-là en vous disant, vous saviez que vous pouvez faire ça, etc. Et ensuite, j'ai demandé à recevoir la maîtrise du souffle. Encore une fois, c'est un peu comme le truc des rêves. Je trouve que c'est trop bien pour ben, voilà, changer un petit peu la façon dont on vit au quotidien. Parce qu'il s'agit d'un mécanisme vital. Chacun pense respirer correctement. Pourtant, nous respirons souvent mal. Ça, on l'a tous entendu. Nous avons par exemple tendance à nous surventiler, ce qui induit stress et tension physique. Et moi qui suis entrepreneur notamment. Et donc, un peu une charge mentale, comme tous les entrepreneurs, un peu au-dessus de la moyenne, généralement. Et bien, et moi qui, du coup, m'intéresse beaucoup, vous savez, comme je vous l'ai déjà dit dans les précédents blogs, à la méditation, potentiellement commencer le yoga, ce qui n'est pas encore fait, mais voilà. Ben c'est un truc qui m'intéressait énormément. Et là, c'est pareil que sur le livre des rêves. C'est-à-dire qu'a priori, c'est un livre qui a une méthode qu'on peut suivre et c'est pour ça qui m'a intéressée. La méthode de respiration basée sur la science expliquée à toutes et à tous. À toutes et à tous, pardon. Et donc voilà, c'est ce principe-là que j'ai beaucoup aimé. On nous dit que depuis des millénaires, de nombreuses techniques ont cherché empiriquement à rééduquer notre respiration avec parfois d'excellents résultats, mais aucune n'avait encore été explorée à la lumière de nos connaissances scientifiques actuelles.
Moi, j'ai besoin de comprendre ce que je fais, comprendre comment ça marche, comprendre pourquoi ça marche. Donc, voilà, vous comprenez pourquoi j'avais très envie de lire ça. C'est le travail qu'a accompli Ivan Kam, qui a ainsi mis au point sa méthode d'exercice respiratoire avec des résultats surprenants. Plongez dans cette explication inédite des mécanismes de la respiration et mettez en pratique des exercices simples qui peuvent changer votre vie. Voilà, donc c'est exactement, d'ailleurs, j'ai rien de plus à ajouter, c'est exactement pour ça que je souhaitais le recevoir. Et donc Ivan Kam, l'auteur, il est docteur en biologie spécialisé en ingénierie. Ingénierie métabolique et entrepreneur dans le domaine des biotechnologies. Il pratique et enseigne les arts martiaux depuis 20 ans. Rien que ça. Donc je pense que le monsieur est tout à fait à même de nous expliquer les choses, n'est-ce pas? Et donc j'ai bien envie de lire ça très bientôt. Voilà pour ça. Et on a un dernier petit colis qui du coup est censé être les livres de concours. Ils vont me sauter à la tête, les livres. Alors, je vois dans le... Oui, c'est vrai. En fait, quand je vous parlais, j'étais en train de me dire, non mais est-ce que c'était pas chez Solar que j'attendais de recevoir ça? Alors, c'est un lot de concours particulièrement particulier et j'avais trop hâte de le recevoir. Que je vous explique. On est parti sur une thématique avec Emma, après moult discussions, qui change, ok? Et on est parti sur un lot où il n'y a pas que des livres. Est-ce que vous me voyez arriver? Vous, indice, vous allez pouvoir le gagner avec le t-shirt Muse de la collection Zodiac. Donc la collection avec les signes astrologiques. Vous savez, il y a marqué le signe astrologique en violet. Encore une fois, si vous ne connaissez pas cette collection, je vous en prie, rendez-vous chez musemuse.love. Vous allez dans le petit menu collection Zodiac et vous allez comprendre. Vous avez 12 t-shirts blancs avec écrit en mauve, enfin violet, pastel, votre signe en latin. Par exemple, moi c'est Verseau, il y a marqué Aquarius. Et en dessous, il y a marqué Ascendant Literarian. Et l'histoire de cette collection, c'est de dire chaque. Il existe un 13e signe et votre ascendant sur le t-shirt, en tout cas, c'est l'ascendant Literarian qui veut dire littéraire, personne instruite, etc. Donc je suis, par exemple, sur mon t-shirt, il y a marqué du coup Verseau Ascendant Littéraire, mais c'est écrit Ascendant Literarian en anglais et Aquarius, donc Verseau en. En fait, c'est ce qu'ils disent en anglais, hein. Mais je crois qu'ils utilisent les mots latins en anglais, je pense. Parce qu'ils disent Virgo pour Vierge, Léo pour Lion, donc c'est pas de l'anglais, c'est vraiment, je pense que c'est en latin. Et donc on est parti sur, avec Emma, donc chez Solar, encore une fois, merci pour ce super concours. On est parti sur le thème astrologie. Et plus, et tout ce thème-là, je vous montre. Alors, il y a 5 cadeaux pour vous, 3 livres et 2 autres choses qui ne sont pas des livres. Je commence par les 3 livres parce que, évidemment, on fait durer le suspense. Le premier livre, c'est Madame Irma et moi. Elle et moi du magazine Elle. Je crois que c'est là. En fait, ils ont fait comme des collections, des collaborations avec le magazine, je crois. De Marine Révol, illustration par Johanna Fritz, parce que oui, il y a des petites illustrations. Tarot, non, astro, tarot, magie, la spiritualité à l'usage de celles qui ne croient en rien. J'ai trouvé ça génial. Pour moi qui suis, donc, je vous en ai parlé dans d'autres vlogs, mais pour moi qui suis athée, en tout cas en termes de religion, mais pas athée en termes de croyance complètement, puisque je vous dis, moi j'aime bien tout ce qui est univers, voilà, loi de l'attraction, force des énergies, etc. Et donc là, c'était parfait pour moi et parfait pour, je suppose, du coup, beaucoup d'entre vous. J'ai ma batterie qui est en PLS. Et donc, il y a des belles illustrations et tout. Donc voilà, donc ça va être un livre pour ça. Avez-vous, vous aussi, déjà tenté de lancer un sort juste au cas où? Saviez-vous que Victor Hugo faisait tourner les tables et que Virginie Despentes était piquée de cartomancie? Après avoir constaté que la moitié des gens qu'elle côtoie est passée à côté de Mercure rétrograde du côté Mercure rétrograde de la force, Marine Revol a enquêté sur le retour de l'occulte dans nos vies. On entend parler ça, des trucs de sorcières et tout, tarot, machin.
De la figure populaire de Madame Irma à la chasse aux sorcières en passant par la naissance des horoscopes, elle revient sur les origines du phénomène et se livre à une série d'expériences pour mieux comprendre le succès des pratiques divinatoires. Entre décryptage de son thème astral, méditation avec des néo-sorcières et tirage de tarot, elle s'est essayée à toutes les palettes de pratiques dont elle fait le récit, un récit drôle et décalé, avec tous les conseils pour s'y mettre. Allez-vous vous réconcilier avec votre déesse intérieure ou bien brûler l'encens par les deux bouts? Seule la lecture ensorcelante de ce livre pourra vous renseigner. Je trouve ça trop trop chouette. Donc ça c'est le premier livre du concours astro, tarot, sorcière, avec le t-shirt signe astrologique dont je vous ai parlé juste avant. Ça sera le premier cadeau. Donc un livre. Le deuxième livre, je vous ai dit, il n'y a pas que des livres. Il y aura Astromap. Donc on est dans le même thème. Et regardez-moi cette merveille encore des illustrations en couleur et tout. Dessine ta carte du ciel, découvre ton potentiel, écris ta propre histoire. Et dedans, il y a, je trouvais ça génial, ta carte du ciel en poster à personnaliser. Alors, elle est où? Voilà, du coup, elle est accrochée encore, mais il y a une carte du ciel à personnaliser. Je trouve ça génial. Déplie le poster et dessine ta carte du ciel. Pour personnaliser ton astromap, tu peux suivre les conseils en page 215. Bonne route astrologique. J'ai trouvé ça trop bien. Trop trop bien. Non, l'astrologie ne prédit pas l'avenir. Les planètes ne tracent pas notre destinée. Tous les taureaux ne sont pas têtus. Et même si Mercure rétrograde, ce n'est pas la fin du monde. Loin des horoscopes et des superstitions, l'astrologie est avant tout un formidable outil de connaissance de soi et de quête de sens. Grâce à ta carte du ciel qui photographie la position des astres au moment de ta naissance, tu disposes de toutes les informations pour prendre conscience de ton potentiel, identifier tes forces, tes failles, tes talents, tes freins, bref, pour comprendre tes dynamiques intérieures. L'astrologie offre les clés, mais c'est à toi d'agir. Et donc, c'est la créatrice du podcast Z comme Zodiac, Mathilde Fachan, qui propose dans une lecture du ciel moderne, bienveillante et créative, et t'accompagne dans le décodage de ton thème astral. En s'appuyant sur un poster à personnaliser, trop bien, tu pourras t'approprier ta carte du ciel, tracer tes pistes d'évolution et faire des planètes tes alliés pour mieux t'épanouir. Un parcours ludique, jalonné par des illustrations pop et cosmiques de Clémence Gouy. Ce livre sera ton GPS cosmique pour te guider dans la découverte de ta carte du ciel. J'ai trouvé ça génial! Donc, vous pourrez le gagner. Voilà, le troisième livre. Alors, qui n'est pas spécialement astro, celui-là dans le thème astro, mais qui est, vous savez, un peu, je reprends ma vie en même, quoi. Voilà, donc on était planète mise à part, dans la même énergie, même si on ne parle pas d'astro spécialement, mais on a voulu l'intégrer quand même dans le concours parce qu'il était trop cool. C'est Alice fait des merveilles quand elle s'en fout, par les auteurs de Celle qui a dit fuck, qui s'est vendue à plus de 50 000 exemplaires. Celle qui a dit fuck, ça doit vous parler, la couverture. Et donc, Alice fait des merveilles quand elle s'en fout. Ça ressemble à ça. C'est par Anne-Sophie Le Sage. Fanny Le Sage et Léna Pirou. Et je vous le donne en mille. C'est une BD ou un roman graphique, je ne sais pas, mais c'est trop cool. J'ai trop hâte de lire ça. Je vais remplir ma bibliothèque avec ça. Les illustrations sont canon. Alice est une note joyeuse au lâcher prise. Alice est une femme pétillante et pleine d'envie qui n'est freinée dans son élan que par un seul obstacle, elle-même. Mais lorsqu'elle fait l'acquisition d'un mystérieux t-shirt floqué d'un fuck, Alice est transformée. Elle se glisse petit à petit dans la peau. Comme quoi un t-shirt peut changer une vie. Vous voyez ? Le message d'un t-shirt. Alice est transformée. Elle se glisse petit à petit dans la peau d'une reine du lâcher prise, cesse de culpabiliser, impose ses limites. Il y a de l'orage. Et quand Alice s'en fout, plus rien ne semble l'arrêter. Trop cool. Trop cool. Donc, ça sera le troisième livre à gagner. Oh, j'ai ma pile qui penche dangereusement. Et là, mesdames, je suis trop contente de pouvoir faire gagner ces deux autres choses dans le concours qui ne sont pas des livres, mais qui viennent compléter notre thème. Le premier étant, et je vous dis que je vais essayer moi-même, et j'ai bien envie de faire une vidéo YouTube sur ça. J'essaye ces deux trucs que je vais vous montrer et j'en fais une vidéo YouTube. Si je fais ça. Alors, le premier, c'est Oracle de lumière. 48 cartes pour illuminer votre vie. Donc, c'est un coffret que vous allez pouvoir gagner.
Oracle de lumière, donc Aurore Widmer, illustration de Jérémy Avada. Alors, Avada Kavadra. Avada Kedavra. Pas Kedavra. Avada Kedavra. C'est quoi le sort le plus. Le sort interdit. Avada Kedavra. 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 Avada Kedavra. Kedavra. Kedavra, je crois que c'est. Avada Kedavra. Avada Kedavra. Bref, vous avez compris. Retrouvez la lumière en nous. Les réponses aux questions que vous vous posez se trouvent souvent déjà dans votre cœur. Les cartes vous permettront d'en révéler les messages. Chacune des illustrations et leurs symboliques seront des guides pour éclairer vos réflexions, vos émotions, vos sensations, mais également pour traverser vos peurs et vos transformations intérieures. De l'instant présent jusqu'à l'éveil, en passant par l'union, la force intérieure, le féminin sacré et le masculin sacré. Découvrez la voix réconfortante, guérisseuse et lumineuse d'Aurore Widmer, ainsi que les cartes de l'artiste inspiré Jérémy Avada. Avada Kedavra, je suis sûre que c'est ça. Cet oracle vous apportera l'aide, la confiance et le soutien nécessaires pour ouvrir votre cœur et incarner tout votre potentiel. On voit les cartes là. Un coffret de 48 cartes noires et or élégantes et éclairantes, plus un livre d'interprétation pour déployer votre lumière intérieure. J'ai trop envie de les ouvrir, évidemment, pour vous montrer comment c'est et voir moi comment c'est. Mais en même temps, si j'en fais une vidéo, j'ai envie de les découvrir à ce moment-là. Qu'est-ce que je fais? Aïe, 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 là, ça me démange, je veux trop les ouvrir. Est-ce que je les ouvre? Je les ouvre, je ne peux pas m'en empêcher. Quelle gamine. Alors, on ouvre le beau coffret. Il y a une pochette avec des cartes et les explications. D'ailleurs, à quoi ça ressemble les explications? Ah oui, à chaque page, il y a une carte et ça vous dit pourquoi, enfin, qu'est-ce que signifie cette carte que vous avez tirée. Donc, je suppose évidemment que ça va nous dire comment faire. Ouais, ça va nous expliquer comment pour faire un tirage là de cartes. Voilà, et en plaçant des cartes, etc. Je ne connais rien, rien, rien. Et ensuite, les belles. Oh, elles sont dorées sur la tranche. Les belles cartes. Je savais qu'il y avait marqué noir et doré, mais là, je m'attendais pas à ce que même la tranche des cartes soit dorée. Je vous montre un aperçu, je suis obligée. Le bon ciseau. Je suis trop contente de pouvoir vous faire gagner ça. Trop contente. Alors, donc ça c'est le dos des cartes. C'est trop beau. Oh, non mais on est sérieux, la beauté du truc. Elles sont collées parce qu'elles sont toutes neuves. Oh là là. Il y a des dorures magnifiques partout. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte d'essayer. J'ai trop hâte d'essayer. Vous allez pouvoir gagner ça. J'ai trop envie de faire une vidéo là où j'essaye ça et je fais un tirage. Même si je ne connais rien pour l'instant à ça, j'ai trop envie. Et donc en dernier, donc vous allez pouvoir gagner les 3 livres que je vous ai montrés, plus ceci, cela, plus un autre coffret sur le pendule. Et vous avez dedans un pendule. Votre premier pendule, je pense, tout comme le mien. En fait, pour beaucoup d'entre vous. Secret et pouvoir de la radiesthésie. Vie professionnelle, santé, psychologie, épanouissement personnel. Pour vous guider au quotidien, découvrez les bienfaits et les innombrables applications de la radiesthésie. Grâce à une méthode moderne et complètement élaborée par une astrologue et radiesthésiste de renom, initiez-vous au secret de cette pratique séculaire et apprenez en toute simplicité le maniement du pendule. Et donc, ce coffret contient un pendule en laiton et sa petite pochette en velours offert pour avoir votre pendule toujours près de vous. C'est trop beau. Et un guide éclair... Ah non,
pas éclair, un guide clair et précis qui vous donnera toutes les clés pour comprendre le fonctionnement de la radiesthésie. L'auteur livre de nombreux conseils sur la formulation des questions, la convention mentale ou encore la préparation personnelle et propose des exercices pratiques pour débutants ou confirmés afin d'apprendre à utiliser son pendule en toute sérénité. Bon, pareil, je dois l'ouvrir. Je dois voir à quoi ça ressemble. C'est pas trop bien de pouvoir vous faire gagner ça? Non mais sérieux, dites-moi. C'est pas trop bien? Je trouve ça génial. Génial! Ah, ce lot de chez Solar! Mais que c'est bien, mais que c'est bien, que c'est bien. Pouvez-vous voir tout le monde? Je suis toujours aussi fatiguée qu'au début de la vidéo. Mais ces découvertes me transportent. Ah oui! En fait, il y a le petit pendule. Et il y a le pochon, là, en bas. Comme ça, il n'est pas tout rayé, en plus. Oh, il est lourd! Mais il est lourd! Donc, je prends le petit pochon. Je vais ranger dedans. J'essaie de vous montrer en même temps ce que je fais, mais je ne vais pas tout faire tomber. Attends. Il est accroché où? Ah ouais. Non, je vais le mettre là parce que je vais faire tout tomber en voulant le faire comme ça. Comment je fais? Ah oui. Il est tellement lourd. Il est, on dirait qu'il y a un petit... Comme, vous savez, quand vous tenez un plomb, là, au bout d'un fil. Il y a une petite perle. Une petite perle. Je ne sais pas comment on sert de ce truc, mais bientôt, je vais le savoir. Il bouge tout seul. J'essaye de ne pas bouger, mais... Il tremblote, il fait... Allez, on va ranger ça dans son petit pochon tout de suite. Et après, on va voir le guide. Pochon, pochon. Où j'ai mis le pochon? Qu'est-ce que j'ai foutu du pochon? Je l'ai mis là? Non? Bon, alors, je retrouve le pochon perdu. Mais je pense que je vais remettre le truc comme si je ne l'avais pas ouvert pour la prochaine vidéo, pour pouvoir vous le montrer dans son coffret. Ah, il est là, pochon. Hop. Et alors, on a un coffret hardcover. Avec bah, toutes les explications, les schémas, comment faire. Donc, je pense que je vais faire, c'est que je vais lire ça à l'avance. Parce que si je le lis pendant que je filme, ça va être chiant. Et quand j'aurai compris comment ça marche, je ferai un tirage là de tarot en direct, enfin en direct, en vidéo. Et je ferai ça aussi. Et je pourrai vous expliquer mieux comment ça fonctionne cette histoire, parce que je ne sais pas comment ça fonctionne, la radiesthésie. Je ne savais même pas que ça s'appelait la radiesthésie. Donc, voilà. Je vais remettre tout ça en place et je vais me pencher là-dessus. C'est fini pour moi, pour ce vlog numéro 6, partie 2. Que c'est long, mes vlogs. Voilà. Je vais finir ma journée aussi de travail en faisant quoi? En faisant les montages des deux réels que j'ai tournés pour les concours avec Le Seuil et Belfond, qui sont les prochains concours. Le Seuil, c'est demain. Et c'est... Donc, demain, on est le 5 juillet. Et Belfond, c'est quelques jours après. Je sais pas. 2-3 jours après. Donc, restez dans les parages. Voilà. Merci encore d'être ici avec le nombre d'abonnés qui monte gentiment tous les jours. Ça fait vraiment plaisir. Je vais faire ça. Je vais valider mes commandes de la journée. Si j'ai l'énergie sacrée, je ferai des nouveautés, mais ça va être compliqué. Et quant à moi, je vous dis à un prochain vlog. Je réponds en même temps à Laura de Laura's Reading qui m'a dit « Mais toi, t'es à fond avec les vlogs. » C'est ouf le nombre de vlogs que je sors. Parce que, bah, en fait, dès qu'il se passe un truc, dès que je reçois ou autre... Je vous le filme et du coup, ben, c'est pas moi qui fais trop le c'est pas moi qui décide trop de la quantité de vlogs qui sort par semaine. Mais bon, il n'y a jamais trop de vlogs. Si vous en manquez maintenant, c'est pas grave. Et au pire, vous pourrez les regarder plus tard. En tout cas, merci d'être par là. Et quant à moi, je vous dis à bientôt. Salut.